Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un pistolet qui a une petite histoire. C'est pour ça que je fais la vidéo aussi sur la chaîne secondaire. C'est un Dreyse 1907. Alors le Dreyse 1907, c'est quoi? C'est un petit pistolet qui chambre le 7,65 Browning, ou 32 ACP si vous préférez, qui a une petite contenance de 7 cartouches. Et qui fut une arme semi-réglementaire durant la Première Guerre mondiale dans l'armée impériale allemande. Alors, je fais cette vidéo ici parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire sur ce pistolet. Hein. L'histoire est assez simple. Ce pistolet, donc, c'est la firme Dreyse qui a été rachetée par, on le voit ici, alors je ne vais pas le prononcer parce que c'est encore de l'allemand et je sens que dans les commentaires ça va fuser. Sur ma prononciation de l'allemand, Rheinische Metallwaren et Maschinenfabrik. Bref, ça a été racheté par une entreprise allemande. Je crois que c'est en 1901. Et en 1907, c'est ni plus ni moins que Louis Schmeisser. Alors, c'est pas Hugo Schmeisser. Hein. Hugo Schmeisser, c'est son fils. Donc, c'est le père Schmeisser qui a fait le design de ce pistolet. Donc un petit pistolet, pas forcément très connu et pourtant très utilisé par les Allemands durant la Première Guerre mondiale, qui était encore largement utilisé surtout par la police durant les années 20 et les années 30, et même encore par la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale. Alors bon, un petit pistolet en 7,65 Browning qui est qui a un look assez atypique, hein, c'est clair, il va pas plaire à tout le monde. Il est très plat, une surface très plate, c'est assez surprenant. Le fonctionnement est globalement assez simple. Alors il n'y a pas d'arrêtoir de culasse. Et en fait, on va donc évidemment l'arme est vide. Donc on va mettre. Imaginons que le chargeur soit plein. Hein, on met le chargeur, on le pousse jusqu'au fond, ça se fait assez facilement et on a des stries de préhension ici hein, qu'on va utiliser pour ramener en arrière. Parce que en fait le truc c'est que le ressort est autour du canon. Je précise que c'est assez dur. Hein. Une fois que c'est armé, ça va, mais quand c'est pas armé, je peux vous dire que le ressort il est costaud. Donc on va amener comme ça. Et on a donc la partie, le bloc culasse arrière hein, qui sort. On a l'éjecteur ici. L'extracteur même et puis voilà et c'est le pistolet va faire cette action là à chaque tir avec l'éjection de l'étui de ce côté là une détente qui est assez, très large hein, plutôt large hein, quasiment aussi large que le pistolet et pas désagréable. Voilà, il y a un tout petit départ. Alors c'est vrai que c'est particulier, la poignée est quand même assez petite, c'est typiquement une arme de poche. Je pense que c'était destiné vraiment aux officiers. Alors j'ai dit qu'elle était semi-réglementaire. Pourquoi? Parce que bon, là, les N couronnés, c'est juste des poinçons d'épreuve pour la distribution sur le marché civil. Mais on a ici un petit, je crois que c'est un D, une petite lettre gothique couronnée qui indique effectivement l'acceptation pour le service militaire. Et en fait, enfin le service militaire. Pour l'utilisation par les militaires, ce genre d'armes était vendu les Sauer-Anson Model 13, etc., plein d'autres pistolets, les modèles, les Mauser 1914, etc., dans les magasins militaires. Les officiers, les sous-officiers, les soldats, n'importe qui pouvaient se l'offrir à titre personnel. Donc là, on voit bien, c'est pour ça que l'arme réglementaire, ça reste le Luger, mais si, je sais pas, les personnes voulaient plutôt un pistolet plus petit, parce qu'ils n'avaient peut-être pas forcément besoin d'un gros pistolet en 9 mm Parabellum, et ben ils pouvaient s'acheter ce Dreyse, qui est une arme tout à fait convenable et qui fonctionne très bien, et même enfin, qui a été très utilisée, encore une fois, une utilisation assez longue. Malgré tout, c'est vrai qu'il a, voilà, comme je disais, un look assez particulier, une prise de visée bizarre, puisqu'on a vraiment une gouttière ici, et le guidon qui est dans le creux, j'espère qu'on verra bien, qui est dans le creux, et c'est un peu perturbant au stand parce que on a ces deux arêtes là bah, qui font quelque chose d'une visée un peu bizarre quoi. Mais encore une fois, ça c'est une arme qui est faite pour tirer à 10 mètres, moins de 10 mètres, hein, c'est vraiment pour faire, je dirais, de la défense personnelle
plutôt vraiment pour le combat. Donc le fonctionnement, hein, je vous disais, c'est assez simple. On a un bouton ici qui permet donc de retirer le chargeur. On a une sécurité, évidemment, qu'on bascule vers l'arrière et qui bloque la détente. Le fonctionnement, alors il y a un petit truc assez sympa là-dedans, c'est que vous voyez ici là, j'ai armé et en fait on a ce piton là qui ressort et qui indique que l'arme est chargée quoi. Et ça c'est assez intéressant je trouve, plutôt pas mal. Il y a une sorte d'inspiration aussi du FN 1900 de chez Browning, hein, de la FN Herstal, puisque on a vraiment le canon et la partie culasse un peu au-dessus, hein, c'est entre guillemets inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer. L'arme s'ouvre par ici. Alors un truc intéressant aussi, c'est que il est souvent dit que si le percuteur est armé et qu'on ouvre le pistolet, le coup part tout seul. C'est pas possible en fait, moi je ne peux pas ouvrir. Il faut vraiment que je tire, et là, ok, je peux ouvrir le pistolet. Donc il s'ouvre simplement en deux comme ça. Pour le démontage du reste, alors c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Je vais essayer de le faire, mais honnêtement, on est obligé de pousser ici. Et comme je vous disais, le ressort est vraiment très dur. Alors je vais essayer. Ah, mais je peux pas l'armer. Donc le ressort est très dur et en plus le problème c'est qu'il y a un risque qu'il parte. Donc en fait il faut vraiment séparer hein, la partie haute du reste. Et je fais ça avec une baguette chinoise, c'est pas l'idéal. Mais j'ai que ça sous la main. Il faut retenir, arriver à retenir le bouchon hein, du canon en fait. Hein. On a le ressort, le gros ressort et donc la partie culasse qui va s'enlever. Et voilà, on a un démontage, je dirais, en tout cas le démontage qui permet d'accéder au canon. Hein. C'est surtout ça qui est important pour le nettoyage. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein. Mais bon, on est en 1907, donc on pardonne. Il y a l'éjecteur aussi qui a tendance à partir assez facilement, il faut faire attention. Donc on a bien, hein, ça c'est vraiment le percuteur hein, qui se balade là, hop. Et puis, c'est tout, quoi, tout simplement. Alors, le remontage est tout aussi galère, hein, parce qu'il va falloir appuyer. Et donc, il faut coincer cette partie-là. Dans le creux en fait hein, du bloc culasse là. Encore une fois, quand on parle, qu'on fait une vidéo en même temps, c'est pas facile. Voilà. Il va me faire mentir sur le fait qu'il n'y ait pas d'arrêtoir de culasse. Et voilà la présentation du Draes 1907.